charging complete. Welkom in deze Fleet TV Auto Special. In deze uitzending blikken we vooruit op alle nieuwigheden qua mobiliteit in 2024. Oui, nous vous présenterons aussi un aperçu de toutes les nouveautés automobiles attendues en 2024, en ce compris des scoops et des avant-premières. Ja, breekt de EV eindelijk door en zijn er passende alternatieven? En hoe evolueert de mobiliteit in de steden? Het wordt een boeiend jaar, dus een boeiende uitzending. Daarbij dromen we samen met de mooiste dreamcars die er aankomen. Maar beginnen doen we met feestelijk nieuws uit de sector. Move. It's your right. Le 11 janvier dernier, Effective Media et les rédactions de Fleet, Fleet.be et Fleet TV organisaient leur traditionnelle soirée de gala. L'occasion de remettre une série de prix aux acteurs de la mobilité et du secteur automobile. L'occasion aussi de célébrer le nouveau Fleet Manager de l'année 2024 avec le soutien de VAB. Corporate and Special Sales Manager chez BMW Group Belux, Alain Peirce est le nouveau roi du marché Fleet pour la troisième fois de sa carrière, un nouveau record. Peter van de Velde recevait le prix du Fleet Mobility Manager de l'année 2024 des mains du Managing Director de Rent-A-Car Enterprise. Cette distinction récompense la politique de mobilité chez KPMG. Le prix du Digital Dealer of the Year décerné par MotorK va à FlexLease, une initiative du concessionnaire Opel de Kenny qui permet de trouver en ligne la voiture de leasing idéale. De tous les concessionnaires de Belgique, les sociétés de leasing ont élu AB Automotive Fleet Dealer of the Year 2024 by Mobia et Traxio. Nordicar, Scandia et Sterks de Smet terminent deuxième ex aequo. Le Valkenir Group est le Fleet Employer of the Year 2024, un prix remis par Educam et qui vient récompenser une politique de ressources humaines ambitieuse, mise en place qui plus est en période de forte croissance. Le Mobility Innovation Award by Total Energies va à Headlight, un produit de l'Edit Fleet qui utilise les ressources de l'intelligence artificielle pour rationaliser la gestion de flotte. Le titre du best-selling e-bike, remis en partenariat avec KBC FitzLease, va à Gazelle. Grâce à la polyvalence de ses produits, la marque gagne en popularité auprès des flottes d'entreprises. Cette soirée était aussi l'occasion de remettre les best-selling awards 2023. Le best-selling car 2023 by Macadam revient à la BMW X1 au terme d'un coude-à-coude sans merci avec la Tesla Model Y, très proche de l'allemande dans les chiffres de vente. Le modèle aura d'ailleurs sa revanche puisqu'il repart avec le prix du best-selling EV 2023 by SenEnergy. Mais ce 11 janvier était décidément la soirée de BMW qui repart aussi avec les prix de la best-selling fleet car by Dragintra, du best-selling PHEV by SenEnergy et du best-selling SUV by Santander Consumer Finance. Populaires en Belgique, les breaks n'étaient pas en reste. La Peugeot 308 empoche le prix du best-selling break by GTV. Le titre du best-selling van by Actiron revient au Renault Master, tout juste renouvelé en fin d'année. Qui sait, il se battra peut-être à nouveau pour le titre en 2024. Enfin, le prix de la best-selling second-hand car by Auto In revenait pour sa première édition à la Volkswagen Golf. Le modèle s'est écoulé chez nous en occasion à 28 710 exemplaires l'an dernier. Pas mal pour celle qui fêtait cette année son 50e anniversaire. L'équipe de Fleet TV revenait enfin sur ses meilleurs essais de l'année écoulée et récompensait la BMW M2 dans la catégorie Affordable, la Maserati MC20 Cielo dans la catégorie Convertible, la Porsche 911 Dakar dans la catégorie Sensation,
la Rolls-Royce Spectre chez les Hypercars et l'Aston Martin DB12 en catégorie GT. Le prix de la meilleure Dream Car 2023 allait à la 911 Dakar, coup de cœur de la rédaction cette année. Conduire une voiture durant sa grossesse, est-ce bien raisonnable, se demandent souvent les futures mamans. En cas de collision, la ceinture de sécurité n'est-elle pas dangereuse pour l'enfant? Les fabricants de ceintures de grossesse jouent bien sûr sur cette angoisse. Ils prétendent que la ceinture de sécurité à trois points n'offre pas une protection suffisante et peut même occasionner des dommages corporels. Leurs adaptateurs de ceinture sont censés prévenir ces lésions. Il existe de nombreuses variantes de ce type d'adaptateur, mais tous fonctionnent selon le même principe. Ils maintiennent la partie abdominale de la ceinture de sécurité sous le ventre de la future maman, par exemple en faisant passer la ceinture abdominale par une sangle supplémentaire ou un crochet fixé à l'assise du siège de la voiture. Voilà qui semble intéressant, pour autant bien sûr que cela fonctionne vraiment. C'est ce qu'a voulu savoir le club de mobilité Touring. Et la ceinture de sécurité standard est-elle vraiment inadaptée aux femmes enceintes, comme on le prétend parfois? Pour répondre à cette question, Touring a commandé une série de crash tests. Leurs résultats sont surprenants et sans appel. Les ceintures de grossesse ne renforcent pas la sécurité, que du contraire. Elles augmentent en fait la pression abdominale ou ne fonctionnent tout simplement pas lorsque l'accident survient. Elles pourraient même occasionner des blessures supplémentaires. Et qu'en est-il alors de la ceinture de sécurité standard? Elle convient parfaitement à condition d'être attachée correctement, c'est-à-dire avec la partie horizontale bien serrée et positionnée bas sur les hanches, et la partie ascendante de la ceinture croisée sur la poitrine et sur l'épaule. Touring souligne également l'importance d'une ceinture bien ajustée sur le corps. Le port d'un manteau épais au volant peut ainsi nuire à votre sécurité. Conclusion de Touring après cette batterie de crash test, les ceintures de grossesse ne tiennent pas leurs promesses et n'augmentent en rien la sécurité. Elles peuvent même exercer une pression supplémentaire sur le ventre de la future maman et sur le bébé. Ne dépensez donc pas votre argent pour ces ceintures. Les ceintures classiques à trois points d'ancrage procurent une protection parfaite pour autant qu'elles soient bien positionnées. Fleet is gelijk aan elektrisch is de slogan vandaag. En om dit na te gaan hebben we een expert bij ons. Tom, klopt dat? Philippe, dat klopt helemaal. Ook wij als KBC Autolease hebben de rol op ons genomen om in feite die hele transitie van fossiel rijden naar elektrisch rijden te gaan begeleiden. Zo hebben we heel de customer journey gaan bekijken en daar allemaal producten gaan rondontwikkelen. Een van de eerste elementen is dat we merken dat de droomauto minder vanuit het hart wordt gekozen vandaag, maar meer vanuit de ratio, vanuit een behoefteanalyse van hoe is mijn dagelijks gebruik van die wagen. Je maakt graag een vergelijking met een hond. Inderdaad, ik vind, als ik persoonlijk ook naar mezelf kijk, zonder te dramatiseren, maar elektrisch rijden vraagt denkwerk. Vroeger kon men zeggen van kijk, het is zoals gaan wandelen met een hond op het strand, de hond is los. De hond is blij en een baas is blij. Vandaag vind ik elektrisch rijden een stuk gaan wandelen met je kabel in de hand, dus de hond aan de leiband, om te gaan zien van oké, hoe kan ik laden, waar kan ik laden, gaat die laadpas wel werken en zo verder. Toch zijn er bedrijven die nog zo wat twijfelen om volledig om te switchen. Is plug-in hybride dan het alternatief? Plug-in hybride kan een alternatief zijn. Iedereen is klaar om in feite die EV-switch te maken, zeker vanuit vergroeningsaspect als ook vanuit het financiële. Maar dit wil niet zeggen dat een EV voor iedereen al de beste oplossing is. Dus plug-in hybride kan voor mij zeker nog blijven bestaan. Hoeveel procent aan EV's hebben jullie binnen de bestellingen? We merken dat sinds juli dat er 75% van onze bestellingen full elektrisch zijn. En dat er een 15% plug-in hybride worden genomen. En de resterende 10% zit dan in fossiel en hybride wagens. Hoeveel nog aan diesel? 3%. En vijf jaar geleden? 95. Biedt elk segment ook een oplossing op vlak van EV's? Vandaag de dag biedt elk segment een oplossing. De constructeurs zijn
aan de bovenkant begonnen, inclusief Tesla met hun Model S. Maar we merken nu dat de middenklasse en de kleinere wagens, de stadswagens, ook elektrisch kunnen rijden met een aanvaardbare rijbereik uiteraard. Hoe ziet het op vlak van laadinfrastructuur? Want er komen veel facetten bij kijken, bij elektrisch rijden. Wel, vandaag bieden wij het hele gamma aan in feite. Wat wil dat zeggen? In een leasingcontract kan men een laadpaal nemen. En we gaan dat blijven aanbieden zolang dat er nog mensen zijn die de eerste transitie moeten maken. Daarnaast bieden wij een laadpas aan, als ook de mogelijkheid om bij u op het werk infrastructuurwerken te komen uitvoeren, zodat men ook kan laden op het werk. Als ik in mijn persoonlijke glazen bol mag kijken, zou ik zeggen, kijk, ik reken op de constructeurs om aan de slag te gaan met de batterijtechnologie. Maar anderzijds reken ik ook op de petroleummaatschappijen, als ook op enkele nieuwkomers, om in feite hun tankstations om te bouwen naar laadstations, zodat we eigenlijk de hond aan de leiband terug gaan kunnen loslaten. All right, thank you. Alsjeblieft. Il y a tout juste 2 ans, une nouvelle structure faisait irruption sur le marché belge, Astara. Astara qui reprend, Anne, les marques importées plus ou moins par le groupe Alcomotiv précédemment, mais pas que. Tout à fait. Donc Astara, à la base, est une société espagnole. C'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui touche à la mobilité, dans toutes ses formes en plus, donc le car ownership, le sharing, le rental, tout ce qu'on veut. Astara est une société qui est présente en 3 continents, 19 pays. Cela représente plus ou moins 3000 employés avec une quarantaine de nationalités, donc c'est grand, très grand. Et cette structure d'ailleurs, elle continue à grandir. Tout à fait. Donc nous, dans notre hub Astara Western Europe, on s'occupe surtout des pays Benelux, Pologne et l'Allemagne. Et on représente des marques telles Hyundai, Isuzu, Maxus, MG, pour n'en citer que quelques-unes. Voilà, un acteur désormais mieux connu. Merci Anne. Marie, welkom. Alweer nieuws bij Aston Martin. Het is een traditie, na de coupé verwachten we de cabrio-variant, Volante genoemd bij jullie. Is dat het geval voor de DB12? Ja, die is inderdaad net gelanceerd. En hoe moet ik hem situeren? Is het een GT of eerder toch sportiever? Het is meer dan een GT-auto, het is meer dan een sportauto. Het is een supertourer waar alles draait rond connectiviteit, dynamisch rijgedrag en performance. Onder de motorkap vinden we een 4 liter V8 biturbo, 680 pk, 800 Nm koppel. Als we hem gaan vergelijken met zijn voorganger DB11, zien we toch wel meer dan 85% verschil. Vooral chassis, motor en uiteraard als we binnenin de wagen kijken, een totaal vernieuwd interieur, state-of-the-art technology, geavanceerde infotainment en dit alles in huis gemaakt. En vanaf wanneer kunnen we hem ontdekken? Vanaf vandaag bij ons in de showroom. Hij staat er al. Bij Aston Martin Brussel. Alright. Als je mag kiezen, is het eerder de snelste aardroger ter wereld of de mooiste aardroger ter wereld? Beide. Dankjewel. Vrienden van Audi, welkom. De Audi Q4 e-tron en de Q8 e-tron zijn de voortrekkers in jullie fleetstrategie. Althans, toch in 2023 zal dat ook zijn dit jaar? Zeker en vast, Filip. Door de toegenomen vraag naar elektrische wagens vanuit professionele klanten, mede gestuurd door de fiscale wijzigingen in voege sinds juli 2023, hebben wij ervoor gekozen om de Audi Q4 e-tron en Audi Q8 e-tron Corporate Editions te lanceren. En wat houdt dat juist in? Wel, deze Corporate Editions zijn samengesteld met het oog op een optimale restwaarde. Ze worden aangeboden tegen competitieve prijzen. Dit leidt uiteraard tot interessante leasing- en financieringsvoorwaarden. We zijn ervan overtuigd bij Audi Belgium dat deze Corporate Editions op de Audi Q4 e-tron en op de Audi Q8 e-tron de ideale keuze zijn voor wagenparkbeheerders die op zoek zijn naar innovatie en duurzaamheid binnen hun wagenpark. Interessant om te weten is dat de Audi Q8 e-tron nog steeds in de CO2-neutrale fabriek gebouwd wordt in Audi Brussels. Made in Belgium. En made by Belgium. Ouais. Et on le voit, l'électrique va encore gagner du terrain en 2024 chez Audi, avec les Corporate Editions, mais avec quoi d'autre au niveau du produit? Alors 2024, pour nous, c'est une année très importante, puisqu'on va lancer deux tout nouveaux modèles en fait, dans la gamme électrique de chez Audi, basés tous les deux sur la plateforme Premium Plateforme Électrique, donc la plateforme PPE. Ces deux nouveaux modèles étant l'Audi Q6 e-tron, donc une nouvelle déclinaison SUV de notre électrification, et ensuite l'Audi A6 e-tron, tous les deux avec une technologie 800 volts qui permet une recharge à 270 kW.
et pour atteindre des niveaux d'autonomie allant jusqu'à 700 km, ce qui aujourd'hui en fait est tout à fait dans les standards ou en tout cas dans les attentes de nos clients. Donc lancement très attendu, très important. Le premier, donc le Q6 Citroën pour l'été. L'Audi A6 Citroën dans ses versions Sportback et surtout Avanza L plutôt disponible dans le courant du dernier trimestre de l'année 2024. Et d'autres nouveautés au-delà de l'électrique ? Alors oui, on ne s'arrête pas là. En fait, c'est une année pour nous très importante en termes de lancement. On a la nouvelle, en tout cas le facelift pardon, de l'Audi A3 qui va arriver là maintenant dès le printemps 2024. Très important, c'est notre fer de lance au niveau volume, tant pour le client particulier que le client fleet. Et puis plus tard dans l'année, on aura la nouvelle, toute nouvelle A4 qui va désormais s'appeler l'Audi A5. On aura le nouveau Q3, lui aussi, tout nouveau modèle qui arrivera dans le courant du dernier trimestre, ainsi que la toute nouvelle Audi Q5 en fin d'année. Donc une année vraiment très importante pour nous en termes de lancement 2024. En heel wat tools voor de fleetmarkt. Inderdaad, onze professionele klanten hebben heel wat om naar uit te kijken in 2024. Stay tuned voor Audi, zou ik zeggen. Dank u wel, heren. Et c'est un homme heureux que j'accueille désormais en studio. Et pour cause, Bernard, puisque tout va pour le mieux chez Bentley. Effectivement, on a fêté d'abord un anniversaire des 20 ans de la Continental GT et nous avons fait à peu près 107 contrats pour nos trois concessions sur le territoire belge. Alors, ces excellents résultats, vous les obtenez aussi grâce à des programmes de personnalisation assez poussé. Effectivement, ici on parle de millénaire qui vous permet de vraiment avoir votre voiture à la carte. Un exemple très simple, la Flying Spur millénaire, vous avez 400 000 surpiqûres et 24 millions de possibilités de combinaisons. Donc on a le choix. Alors on le sait, l'électrique c'est l'avenir de Bentley. Et dans ce domaine, la marque n'entend pas vraiment faire de la figuration. Effectivement, ici on parle de stratégique Beyond the 100, où nous voulons absolument être le leader dans le luxe de la mobilité durable, avec des dates clés, 2024 avec l'hybridation, je dirais, de notre gamme. 2026, l'apparition du premier véhicule Bentley full électrique. Et 2030, toute la gamme full électrique. De zon schijnt bij BMW. In de meteorologie, Jeroen, zouden we spreken van een blijvend hoge drukgebied? Ja, we kunnen niet klagen bij BMW in België dit jaar. Voor de derde keer op rij zijn we absoluut marktleider in een aantal nieuwe inschrijvingen. Fantastisch nieuws. En wat het nog mooier maakt, is dat we dit jaar 50 jaar bestaan als invoerder van het merk in de Belux. Deze groei valt ook samen met de elektrificatie van jullie gamma. Heeft dat ook te maken met lanceringen die er zijn geweest, belangrijke lanceringen in 2023 en nu 2024? Absoluut. We hebben de mijlpaal bereikt waar dan nu meer dan 50% van alle binnenkomende bestellingen volledig elektrische BMW's zijn bij ons. En dat gaat zich verder zetten in 2024. We hebben net de nieuwe 5-reeks, die ook elektrisch beschikbaar is, gelanceerd. Daar komt nu een touring van in 2024 en dat blijft toch de referentie in het zakensegment in België. Een van de revelaties in 2023. Cupra blijft terrein winnen in B2B. Jan? Absoluut. We zijn super tevreden om te zeggen dat we voor de eerste keer met Seat en Cupra een geconsolideerd marktaandeel van 2,5% hebben behaald. Het is dus echt wel een absoluut recordjaar geweest voor onze merken. Specifiek voor Cupra kunnen we zeggen dat Cupra een van de snelst groeiende merken is in de B2B-markt. We hebben ons marktaandeel verdubbeld. We hebben 200% meer verkopen gerealiseerd ten opzichte van 2022 en zijn geland op maar liefst 4.470 inschrijvingen, waarvan ook 80% maar liefst aan klanten met een BTW-nummer is. Dus we zijn echt wel zeer tevreden dat we onze stempel hebben kunnen drukken met Cupra op de fleetmarkt en zijn zeer blij dat kleine zelfstandige KMO's, maar ook grote key-account klanten hun weg hebben gevonden naar Cupra. Zo hebben we enkele mooie referenties die we op tafel kunnen leggen van key-account klanten die voor de Born hebben gekozen voor hun starterswagens. Hoe zit het product samen? Ik bedoel, wat is het geheim van jullie recept? Is het een combinatie van plug-in en elektrisch? Of is het subtieler dan dat? Cupra heeft eigenlijk een Cupra-DNA dat zich echt baseert op drie pijlers. Enerzijds de kwaliteit. We mogen zeer trots zijn dat we de vertrouwde, gekende Volkswagen-producten op de markt kunnen brengen. Gaande van de platformen. Maar ook alles van technologie komt echt uit de Volkswagen-stal. Ten tweede kunnen we echt wel een heel mooi gamma van motorisaties en producten op de markt brengen. We hebben de klassieke ICE, de klassieke verbrandingsmotoren, de kleine benzinewagens, zuinige wagens, maar ook de dieselmotorisaties. Zo
Ten slotte zijn we ook nog verder gegaan met de plug-in hybride technologie. Die hebben we verder doorontwikkeld zelfs. We hebben meer elektrische autonomie voor onze wagens, hoger vermogen en ook een snellere laadsnelheid dat we kunnen aanbieden op de plug-in hybrides. En tenslotte ook nog onze elektrische wagen, momenteel de Born, maar er komen nog heel veel nieuwigheden aan. Et cette offre, David, cette gamme, elle est encore appelée à s'étoffer en 2024. Oui, tout à fait. Donc on va vraiment vivre deux années en une à l'heure actuelle. Donc on va vraiment continuer cette offensive vis-à-vis du marché B2B, comme Yann le disait, avec de l'électrique. Et à partir du mois de juin, on va présenter un produit qui est très important pour nous, la Tavascan, qui est notre nouvelle SUV full électrique, très expressif au niveau du design. Et entre juin 2024 et décembre 2025, on va lancer 5 nouveaux produits sur le marché, principalement destinés au B2B. Et toujours en mettant l'accent sur l'émotion, sur l'expérience et une philosophie d'ailleurs que vous transposez aussi à vos espaces d'exposition. Exactement, on est les rebelles sur le marché de l'automobile et on veut vraiment amener cet esprit de Barcelone, en fait cette chaleur au niveau des routes, monter justement le dynamisme des entreprises, monter justement cette image et on le reflète dans nos concessions où c'est vraiment des centres d'expérience. Donc si vous avez l'occasion de venir sur le Cupra City Garage à Bruxelles, vous pouvez bruncher, vous pouvez vivre des expériences tout en voyant nos nouvelles voitures. We hebben erop gewacht en nu is hij er. De nieuwe Ford Explorer staat in de startblokken. Wanneer wordt die gelanceerd, Bart? Die wordt gelanceerd deze maand nog. Dus de prijzen worden in januari vrijgegeven. Het is ons eerste product ontworpen in Europa en gebouwd in Europa, in de fabriek in Keulen. Dus als eerste full electric voor de Europese markt is dat een zeer belangrijke lancering voor ons. Welke nieuwe producten mogen we nog verwachten, afgeleide van die Explorer natuurlijk, in 2024 bij Ford? Wel, in 2024 voorzien we heel veel nieuwe lanceringen, full electric ook. Dus naast onze Explorer zullen wij ook een afgeleide van de Sport Crossover lanceren nog in 2024. En zelfs nog voor de zomer. Waarvan ook de productie nog zal starten in 2024. En binnen dit en een maand zullen we onze nieuwe Puma lanceren. Waar ook naar het einde van het jaar de productie al zal starten van de full electric versie van onze nieuwe Puma. Ford zet hoog in op elektrische auto's. En toch hebben jullie nog plug-ins in jullie gamma. Is dat niet een beetje achterhaald? Maar laten we zeggen dat het marktaandeel van de plug-ins zeker gedaald is. Maar wij geloven nog steeds in die technologie. Dus wij lanceren zelfs deze maand ook onze nieuwe Kuga plug-in hybride. Die toch nog zeer interessant is. Zolang als je hem maar dit jaar nog bestelt en ook effectief laat leveren, dan valt de fiscaliteit eigenlijk nog wel bijzonder goed mee. En vooral voor de profielen waar elektrisch rijden nog niet zo de evidentie zelf is, is dat zeker nog een waardig alternatief. De plug-in hybride staat ook op het programma van een andere grotere lancering, de Transit Custom. Ja, dat klopt. Niet alleen de Transit Custom, maar ook de Tourneo Custom zal uitgerust worden met een plug-in hybride technologie. Dezelfde technologie als bij de Kuga. Dat wil dus zeggen dat als hij niet geladen is, zal hij nog steeds zeer zuinig zijn, want dan gaat hij rijden als een full hybrid. En daarnaast heb je het voordeel in Vlaanderen met de zeer lage CO2-uitstoot, dat die fiscaal ook nog eens super interessant is. We hebben hem vorige maand nog getest, die Custom. Komt deze ook elektrisch uit? Jawel, we hebben nog net op de valreep eind vorig jaar de full electric versies van zowel de Transit Custom als de Tourneo Custom gelanceerd. En de productie zal ook effectief dit jaar al starten. Wij verwachten de eerste leveringen in september, oktober. En de eerste reservaties liggen ondertussen al vast. En klanten staan vol ongeduld te wachten om hem ook effectief in hun vloot op te nemen. Ziet er heel mooi uit. Dankjewel, Bart. Dankjewel, Katja. Dag John. Dag Katja. Hoe kijkt u als salesmanager van Honda Belux in 2024 naar de fleetmarkt? Wel, wij kijken naar 2024 met zeer veel enthousiasme naar de fleetmarkt. Waarom? We hebben vorig jaar 3 volledig nieuwe modellen gelanceerd, waaronder onze eerste Honda plug-in hybrid. Daarnaast ook een volledig elektrisch voertuig. En we hebben bovendien, om ons nog meer te richten naar de fleetklanten, ook onze fleetstrategie volledig herzien om ons qua prijs veel attractiever op te stellen. En wat kan je vertellen over het model dat je hebt meegebracht, de e-NY1? De e-NY1, daar zijn we bijzonder fier op. Het is de eerste telg van een volledig nieuwe generatie elektrische voertuigen die Honda op de markt zal uitrollen. Hij komt altijd met een batterij van 68,8 kWh, wat resulteert in een rijbereik van 412 km.
altijd zeer rijk uitgerust, topversie met head-up display, Honda Park Pilot, synthetisch leder, noem maar op, alles zit erop. En we zijn ervan overtuigd dat we dan ook zeer veel succes zullen ogen op de fleetmarkt. Pour Hyundai, 2023 n'aura pas tenu toutes ses promesses. Alors Anne, est-ce que l'embellie viendra en 2024 ? Tout à fait. 2023 pour Hyundai a été une année où il a fallu être créatif et dynamique, on va dire. Avec la pénurie mondiale de quelques composants, on a eu un peu de délai dans certains de nos modèles, dans la production, ce qui a fait qu'on a dû décevoir quelques-uns de nos clients pour notamment IONIQ 5 et IONIQ 6, mais le pire derrière nous. Et 2024 s'annonce bien, très bien même. Ici, fin 2023, on vient de lancer le nouveau Kona dans toutes ses variantes, dont une version électrique. Et vous attendez encore en 2024 une kyrielle de nouveautés. En effet, on attend toute une armada de nouveautés, dont le Splendid nouveau Santa Fe, et aussi le IONIQ 5N qui est absolument merveilleux, et le Tucson pour n'en citer que quelques-uns. Never change a winning team, zeggen ze bij Isuzu. En dat team aan Pottemans is de D-Max. Ja, absoluut. Isuzu is niet echt het merk van de nieuwigheden, wel van de zekerheden. Het merk staat voor kwaliteit, voor betrouwbaarheid. En de D-Max is daar het perfecte voorbeeld van. Mensen die op zoek zijn naar een volledig uitgeruste auto, een werkpaard, met een aangenaam prijskaartje, komen heel gemakkelijk bij de D-Max uit. Mm-hmm. En het is alweer een tijdje geleden dat het gebeurde, maar het Isuzu-gamma is zich aan het opfrissen. Ja, de D-Max waarover ik daarnet al sprak, die komt dit jaar in een volledige opgefriste versie. Er komt ook een volledig elektrische variant van de D-Max, maar dat zal eerder voor 2025 zijn. En ook van onze compacte truck, de N-Series, ook hij komt dit jaar met een opgefriste versie. En ook daarvan komt opnieuw een elektrische versie in 2025. Jaguar Land Rover staat voor een druk elektrisch jaar, dus ook bij jullie in Assen, veronderstel ik? Zeker en vast, Filip. Dus wij zitten vandaag natuurlijk met onze twee merken Jaguar en Land Rover. Hebben we eigenlijk fiscaal voordelige modellen als plug-in hybride. Bij Land Rover gaat het voornamelijk over de Range Rover Evoque, Velar, de Range Rover Sport en de koning der SUV's, de Range Rover. Maar ook aan de Discovery kant hebben we de Discovery Sport in hybride. Bij Jaguar daarentegen is het voornamelijk de E-Pace en de F-Pace modellen. Allemaal onder de 50 gram veronderstel ik? Zeker en vast. Wilt dat dan ook zeggen dat er op benzinevlak niks meer te rapen valt? Op benzinevlak, voor particulieren voornamelijk, hebben wij vandaag ook al een Range Rover Evoque, speciaal voor deze maand vanaf €49.900. Met een benzinemotor, 160 pk. En wat mag ik verwachten op EV-vlak? Onze grote Range Rover, de koning der SUV's, die is beschikbaar vanaf nu om pre te bestellen in volledig elektrische variant. Klein tipje van de sluier, vandaag bestellen is ook bij de eerste om ermee rond te rijden. En dat allemaal met een autonomie van 600 kilometer. Snel zijn is dus de boodschap. Klopt. Dankjewel. Dag Bart. Het jaar 2024 bij jullie is gestart bij SsangYong met een primeur. Absoluut. Onze naam verandert naar KGM. En dat komt eigenlijk doordat in Korea, het moederland van SsangYong, is het bedrijf overgenomen door een belangrijke Koreaanse industriële groep, KG. En vandaar de naam KGM. Uh-huh. En gaat die naamsverandering gepaard met een nieuw product dan? Absoluut. Een van de eerste producten die we nu kunnen voorstellen is de Taurus EVX. Dus we hadden de Taurus al voorgesteld begin vorig jaar. Maar nu hebben we eigenlijk ook de elektrische versie ervan, de EVX. En dat is toch wel een heel mooi product geworden. Een heel knappe SUV-design. Bovendien tot 460 kilometer range. Een interessant batterijpakket ook. En wat heel belangrijk is, een heel grote koffer van 700 liter. En ook een trekvermogen tot 1500 kilo, wat toch wel heel belangrijk is in het elektrisch segment. C'est le nouveau porte-étendard de l'électrique chez Kia. Je ne parle pas de vous, Jean-François, mais bien de la nouvelle EV9. Alors, c'est quoi cette EV9? C'est un monovolume, un SUV, un crossover, tout ça à la fois?
C'est d'abord un véhicule fantastique avec beaucoup, beaucoup de points positifs dans cette voiture. Un véhicule à découvrir le plus vite possible, à venir essayer, à voir en showroom. Mais c'est surtout effectivement un SUV du segment E. Avec un look de SUV en tout cas, mais la modularité d'un propre à un vrai monovolume, un gros monovolume. En effet, livré de façon standard avec 7 sièges, d'office, mais la possibilité d'avoir une double option en fait en 6 sièges, donc la deuxième rangée qui vient avec 2 sièges séparés, avec accoudoir, avec tout le confort, soit en version relax, soit en version ce qui s'appelle chez nous swiveling seats, et donc ce sont des sièges qui sont pivotants et qui permettent de rouler comme ça puisque la voiture est homologuée, et donc de partir avec par exemple des enfants qui peuvent être en face à face sur la deuxième rangée. Ouais, on avait déjà pu découvrir cette configuration à la présentation du modèle. Justement, le modèle vient d'être présenté à votre clientèle, quelles ont été les premières réactions? Alors nous sommes en plein lancement du produit, nous faisons le tour de nos clients, des loueurs également, l'accueil est très 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 positif et puis ça se concrétise aussi par des résultats de vente aujourd'hui dès le départ qui sont très satisfaisants. Alors on le constate dans les immatriculations communiquées par la FEBIAC, vous opérez une belle percée, notamment en fleet. C'est dû à quoi? Une stratégie commerciale bien pensée, à une stratégie produit calqué sur les besoins des fleet owners? Alors c'est évidemment dû d'abord au produit, puisque nous avons un produit qui répond aujourd'hui aux attentes de nos clients, depuis le renouveau du logo, de la gamme, hein, quelque part, ce design fort, c'est finalement un véhicule qui est très très apprécié par les user choosers en général, et j'aime à croire que c'est aussi un peu grâce au travail que l'équipe Flip fournit, avec les visites que nous faisons régulièrement chez nos clients et dans notre réseau. Oui. Alors l'EV9 dont on évoquait les qualités tout à l'heure marque une nouvelle étape dans l'élargissement de votre gamme électrique, une gamme qui va encore s'élargir en 2024 et les années suivantes. À quoi ressemblera à l'avenir cette gamme électrique? Alors en effet, nous aurons une gamme électrique très complète puisque l'année prochaine nous aurons l'arrivée de EV3 qui est un SUV, en fait la petite sœur de l'EV9 actuelle. Sera suivi également EV5, un SUV entre les deux. EV4, un sedan. Probablement évidemment d'autres véhicules électriques qui arriveront, mais également surtout fin 2025, l'arrivée de notre gamme utilitaire 100% électrique également. Et ça, ce sera une nouvelle étape importante. Effectivement. Merci Jean-François. Avec plaisir. Chez les retailers, c'est l'heure du bilan, d'où ma question Bernard. 2023, bonne ou mauvaise année dans la collaboration Lamborghini, Dieter & Luxury Performance? Alors, très bonne année, effectivement. Nos concessions d'Anvers et Bruxelles ont vraiment très bien fonctionné et on est arrivé à peu près à 84 contrats, donc nous sommes vraiment très contents. 2023 marque aussi une nouvelle étape dans l'histoire de Lamborghini avec les premières traces d'électrification. Alors 2023, c'est d'abord un anniversaire. Notre taureau a soufflé ses premières 60 bougies, donc assez important. Et pour fêter ça, Lamborghini a sorti un véhicule qui va remplacer l'Aventador, qui est la Rivuelto, qui est un véhicule hybride qui va dépasser les 1000 chevaux. Mais ce qui est important, c'est qu'on garde notre V12. Chez Bugatti Rimac, vous en êtes où? Alors chez Rimac, je suis très content d'avoir pu vendre le premier véhicule l'année passée, la fameuse Time Attack à 12 exemplaires, donc il y en aura une en Belgique. Et pour Bugatti, malheureusement, je ne peux pas trop vous dire, mais ce qui arrive va être très intéressant. Voilà, et pour les 3 minutes qui suivent, on abandonne notre studio pour une petite pause ensoleillée, direction l'Espagne et l'essai de la dernière de Lexus. En 1989, Lexus faisait son entrée en Europe avec la LS, grande limousine taillée pour les États-Unis. 35 ans plus tard, le constructeur présente ici à Valencia son LBX, première Lexus spécialement conçue pour notre continent, avec ses routes étroites, son énergie chère et surtout ses clients ô combien exigeants. Produit de conquête, le LBX propose des dimensions inédites, moins de 4,20 m du jamais vu chez Lexus. Le modèle s'attaque ainsi au segment des SUV subcompacts à prétention premium. Ce LBX inaugure aussi une nouvelle identité stylistique. On sait que c'est une Lexus, on voit que c'est une Lexus, mais ça ne ressemble pas tout à fait à une Lexus. En cause, cette face avant sans encadrement qui rompt avec la traditionnelle calandre fuselée de ses grandes sœurs. C'est nerveux, puissant, 100% Lexus, mais différent. Dans l'habitacle, priorité au confort et à l'ergonomie.
L'aménagement du poste de conduite suit les préceptes du concept Tazuna avec des informations et des commandes proches du conducteur. Celui-ci peut ainsi y accéder sans quitter la route des yeux et avec un minimum de mouvement. Pour marquer la différence avec ses rares concurrents, le LBX propose en exclusivité sur le segment un groupe propulseur hybride auto-rechargeable. Pour l'alimenter, une nouvelle batterie maximise les phases de conduite électrique et donc les rendements. Ce LBX s'adresse aux sociétés, notamment les sociétés de services, qui ne peuvent pas ou pas encore passer au 100% électrique. C'est une solution transitoire donc, mais avec une empreinte carbone réduite et donc avantageuse fiscalement. Avec 103 grammes par kilomètre, cotisations CO2 et ATN sont calculées au plus bas. Et c'est aussi vrai pour les coûts d'utilisation, parmi les meilleurs chez les premiums du segment B SUV. Petit par la taille, grand par les ambitions, ce LBX a tout d'une vraie Lexus. Le comportement, la technologie moteur et puis surtout le raffinement. Cela se traduit par la disponibilité d'équipements inédits ou rares sur le segment. Affichage tête haute, clé numérique pour ouvrir et démarrer la voiture, haute fidélité Mark Levinson, mise à jour logicielle over the air ou encore Bespoke Build, un nouveau service de personnalisation signé Lexus. Mention spéciale enfin au toucher de route, la direction est réactive, précise et les mouvements de caisse eh bien, sont toujours bien maîtrisés. Et ça évidemment, les conducteurs européens devraient apprécier. Bram, welkom. Wie had dat nu ooit kunnen denken dat Lotus een rol zou spelen in de fleetmarkt? Vorig jaar hebben wij bij Lotus Brussel een zeer goed jaar gehad, dankzij de intrede van de Lotus Elettra, de eerste volledig elektrische hyper-SUV van het merk. En die heeft zijn intrede zeker niet gemist. En er is nog een ander model in het gamma dat het ook goed gedaan heeft. Ja, de Lotus Emira, de 3,5 liter V6 in first edition, waarvan de laatste aantallen of eenheden worden verkocht dit jaar, want deze productie is stopgezet. En die wordt vervangen door? Die wordt vervangen door de 2 liter AMG versie van de Emira, eveneens in first edition. En wij verwachten deze tegen de zomer van dit jaar. En het stopt niet bij Lotus, want er komt nog een nieuwe elektrische speler bij. Ja, bovenop de Lotus Elettra zal de Lotus Emeya dit jaar gelanceerd worden. Deze wagen heeft ongeveer dezelfde specs als de Lotus Elettra, maar dan in GT-uitvoering. En deze wordt ook eveneens deze zomer bij ons in de concessie verwacht. Dus elektrisch, Elettra, Emeya, verbrandingsmotor, Emira. Helemaal juist. Dankjewel Bram. Graag gedaan, Filip. En 2023, Maxus poursuit l'élargissement de sa gamme avec Anne, d'abord de l'utilitaire. Tout à fait. Maxus est surtout connu pour ses véhicules utilitaires légers comme le e-Deliver 3, e-Deliver 9 et récemment ajouté le e-Deliver 7. On a aussi un pick-up, le T90 EV. Tous ces véhicules sont 100% électriques. Maxus propose aussi une gamme de produits axée sur le transport de personnes. Oui, c'est tout à fait nouveau. Le premier voiture pour passagers a été lancé en 2023. C'était le MIFA 9, c'est un van super luxueux. Et ici, on vient d'annoncer l'arrivée de l'IONIQ 6, un SUV 100% électrique disponible à un prix de 39 990 et donc éligible à la prime flamande. Alors Maxus, c'est du 100% électrique, surtout de l'électrique. Je l'ignorais, il y a aussi du diesel. Oui, on garde d'office notre Deliver 9 parce qu'il y a encore toujours des sociétés qui ne sont ou bien pas prêtes ou qui ne peuvent tout simplement pas encore travailler avec des véhicules purement électriques. C'est l'heure du bilan chez les importateurs et globalement, Steve, 2023 se clôture sur une embellie. Ce sera aussi le cas chez vous, chez Mercedes-Benz. 2023 a été une année mais tout à fait exceptionnelle qui a été complètement étirée, je dirais, en termes de commandes par la fiscalité. Donc on a vu en juin une augmentation spectaculaire des commandes due aux changements fiscaux que nous connaissons. Par ailleurs, je dirais que la production a repris son plein volume de façon à pouvoir enfin livrer à nos clients les voitures qu'ils attendaient
et qui avait été commandé après la période Covid. Zoals ze weten zorgt de Fleet ook goed voor de verkoop in België. Zal dat ook zo zijn in 2024? Daar gaan we toch van uit, Katja. Tenminste, wij hebben het gamma dat vertegenwoordigd kan zijn in de verschillende segmenten van de car-politie. Van de EQA tot de EQS. Maar vooral met een rijbereik van steeds meer dan 500 km BLTP. Je geeft het zelf aan, Mercedes-Benz zet zich zwaar in op het elektrische gamma. Maar daar blijf je niet bij qua duurzame evolutie. Nee, absoluut niet. Duurzaamheid is vandaag een van de speerpunten van Mercedes-Benz. En als ik vandaag drie voorbeelden zou geven, dan zou ik spreken over onze fabrieken. Die zijn CO2-neutraal sinds eind 2022. En dan vooral, wij zijn bezig met het uitrollen van onze eigen laadhubs. Wat is nu het voordeel van een Mercedes laadhub voor een Mercedes klant? Want als ik zeg laadhub, die is open voor alle merken. Alleen als je Mercedes klant bent, heb je een Mercedes Me app. Met een Mercedes Me app kan je op voorhand je plaats gaan reserveren op zo'n hub. Zodanig dat je nooit hoeft te wachten voor een laadbeurt. En ten derde, we hebben groene stroomcertificaten die wij overhandigen aan onze EQ-klanten tot 150.000 kilometer. Alors on entend, Steve, dans nos différents entretiens, le début d'année reste un moment important pour les importateurs, avec ou sans salon d'ailleurs. Ça se passera comment chez vous? Alors le salon effectivement est grévé dans notre culture, Alain, et c'est pourquoi nous allons recevoir nos clients flotte dans notre centre d'expérience, avenue du Péage, à Bruxelles. Et donc nous allons là les inviter ou les immerser dans notre merveilleux monde de Mercedes-Benz avec, et je ne vais pas dévoiler le programme, mais entre autres, une piste 4x4 avec une expérience toute particulière avec nos véhicules. Alors, on a été très sérieux dans cet entretien. On le sait, on ne plaisante pas avec la transition énergétique, mais pour un constructeur premium, l'important est aussi de convaincre le public que l'électrique n'est pas que pragmatique. C'est le rôle de certaines gammes, certaines voitures images chez vous? Oui, c'est vrai, absolument. On a la classe G électrique qui va arriver, mais je ne peux pas en dire plus, et donc excusez-moi à ce niveau-là. Hein, mais on a évidemment la gamme AMG qui a été électrifiée aujourd'hui et qui procure des sensations tout à fait exceptionnelles aux conducteurs de celle-ci, avec des accélérations sur la EQE AMG en moins de 4 secondes pour le 0 à 100. Enfin, c'est tout à fait déraisonnable, on peut le dire, mais voilà, ça fait partie de l'ADNA de notre marque et on est tout à fait heureux de représenter ces produits-là également. Et on en est bien heureux. Merci Steve. Merci, à bientôt. Het merk zit in de lift in België, want Bart Hendricks, MG sloot 2023 af in stijl. Ons merk kende een groei van maar liefst 416% in België, dus dat is echt gigantisch. Dat wil ook zeggen dat ons merk nu echt op de kaart staat, zowel bij bedrijven als bij particulieren. En komt dat door de groei van het MG4-effect? MG4 is natuurlijk ons best verkopende model, beschikbaar met drie verschillende batterijpakketten. De range tot 520 kilometer, prachtige styling ook, zowel binnen als buiten. Met de laatste technologie die er ook in zitten. 7 jaar garantie erop, dus dat maakt dat het echt wel een zeer interessant model is. Maar bovendien hebben wij ook de MG5, onze elektrische brek, die nu ook stilaan bij de bedrijven bekend geraakt. Want zoveel elektrische breks zijn er nog niet op de markt momenteel. Mm-hmm. En wat biedt 2024? Wel, 2024 ziet er eigenlijk ook heel rooskleurig uit. Onze ambities zijn sky high. En bovendien hebben wij nog drie modellen die in de Vlaamse premies vallen. Dus het belooft een heel goed jaar te worden. Bij Mini komen er nieuwe ambassadeurs aan. Je kan wel spreken van een nieuw tijdperk in jullie merk. Die nieuwe Cooper en die nieuwe Countryman zijn zonder twijfel de grootste revolutie bij Mini sinds de overname door BMW in de jaren 90 en misschien wel sinds de start van het merk in de jaren 60. Een ongeziene generatiewissel hebben we daar mogen meemaken. En ik ga er natuurlijk vanuit dat die ook geëlektrificeerd zullen zijn. Mini goes electric en dat maakt de Minis voor de Belgische zakelijke markt super interessant. Denk nu maar aan de Cooper, waar we voor het eerst een elektrische Mini gaan hebben met een autonomie elektrisch van meer dan 400 kilometer, die bovendien in aanmerking gaat komen voor de Vlaamse premie. En je ziet dat ook, dat is een beetje in lijn met de evolutie van het merk. Het merk wordt volwassener, groter, komt ook meer in het vizier van die businessmarkt en van de professionele markt. En dat doet ons natuurlijk als invoerder alleen maar veel plezier. Ça
Ça bouge chez Renault et pas qu'un peu après les lancements de l'Austral et de l'Espace en 2023, car Renault poursuit son électrification et l'élargissement de sa gamme hybride. C'est vrai que cette année, on va avoir une actualité produit très très forte. Et effectivement, donc, sur la même plateforme qu'Austral et Espace, on va lancer Rafale, qui est une voiture qu'on rajoute à la gamme. Rafale qui est un SUV coupé qui va d'abord exister en hybride et ensuite, vers la fin de l'année, en plug-in hybride, 300 chevaux, 4x4. Donc ça va être notre nouveau flagship de la gamme. Alors on assiste un peu à un dédoublement de la gamme Renault pour l'instant avec d'une part la gamme hybride, d'autre part la gamme full électrique. Et dans ce registre-là, vous aurez aussi du nouveau en 2024. C'est vrai, donc chez Renault, on a toujours des plateformes spécifiques, que ce soit pour l'électrique ou pour l'hybride. Et donc sur l'électrique, on lance d'abord, là, dans quelques mois, un nouveau Scenic, qui est une icône aussi dans la gamme, full électrique, avec des autonomies qui peuvent aller jusqu'à 625 km. Donc très intéressant, que ce soit pour le particulier, parce qu'il y aura aussi une petite batterie et une grosse batterie, 87 kWh. Mais donc là, ça va vraiment être notre nouvelle arme pour le marché fleet. Alors il y aura aussi un autre modèle full électrique qui a déjà une grosse cote d'amour avant même son lancement. Tout à fait. C'est un peu un revival, c'est la nouvelle R5. Oui, une vraie icône, hein, parce qu'on l'avait présentée en prototype sur le salon de 2023. On avait eu beaucoup de succès. Et donc, on la lance effectivement cette année dans sa version définitive, qui va être à 90% ressembler à la version au prototype. Et donc, elle sera dans les showrooms à partir de septembre. Une autonomie jusqu'à 400 km et un prix d'entrée de gamme à partir de 25 000 €. Alors, est-ce que les allergiques à l'électrification auront encore quelque chose à se mettre sous la dent chez Renault en 2024 ? En 2024, non, mais en fin d'année, on va annoncer, on va révéler une autre icône, la Renault 4, qu'on va lancer commercialement en 2025, mais présentée fin de cette année. Capture aussi quelque chose de nouveau, une nouvelle évolution ? Pas une petite évolution, parce que souvent on parle d'un facelift, d'un petit facelift, mais là c'est vraiment un facelift très important, pas qu'à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On revisite complètement l'intérieur, aussi avec des nouveaux systèmes multimédia qu'on connaît déjà sur l'autre gamme de la gamme. Alors en utilitaire, vous finissez l'année en beauté, si je puis dire, puisque le Master est à nouveau le van le plus vendu, l'utilitaire le plus vendu en Belgique, et il reçoit déjà une nouvelle génération qui pourrait bien prétendre au titre l'année prochaine. Tout à fait. Et Master, c'est vraiment un flagship de la gamme utilitaire qui va exister en moteur thermique, donc en diesel 2 litres, 3 niveaux de puissance, mais surtout aussi en électrique avec des niveaux d'autonomie jusqu'à 400 km. Et donc, on est très fiers de ce véhicule parce que, en termes de design, je pense qu'on fait vraiment pas en avant. C'est un véhicule qui a beaucoup de personnalité. Et c'est un véhicule qui a été développé en soufflerie. Et donc, on l'appelle Aerovan. On est très fiers de cette appellation parce qu'on arrive à gagner 1,5 litre aux 100 km en consommation quand elle est équipée en diesel. Een jaar geleden kondigde je een nieuwe speler aan in micromobiliteit, Silence. Hoe is dat jaar verlopen? Ja, we zijn er effectief meteen na de aankondiging ingevlogen met het uitbouwen van een dealernetwerk. We hebben ook meteen onze eerste store opgericht, de Urban Store in Brussel, in de Gare Maritime, een hele hippe plek. Gedurende de zomer hebben we tal van activiteiten gedaan om het merk kenbaar te maken in Knokke. Dat is zodanig een succes geweest en er was zodanig veel interesse dat we van die pop-up store een definitieve store hebben gemaakt. We hebben hem alleen verhuisd naar het Driehoeksplein in Knokke. Mm-hmm. En hoe verloopt de verkoop daar? We zijn begonnen met de scooters, wat initieel niet onze core business is. Dus we zijn nog aan het leren, maar het loopt ondertussen vrij vlot. Op de nanocar was het even wachten, maar het grote voordeel is dat we zien dat heel veel mensen al micromobiliteit op het vizier hebben. Dus we hebben het volste vertrouwen in dat Silence een succes wordt dit jaar. Oké, dankjewel. Chez Skoda, on entame 2024 avec enthousiasme et puis pas mal de lancements aussi. On y reviendra un peu plus tard. Mais avant ça, Liana, j'aimerais vous entendre sur le bilan que vous tirez de la performance de Skoda en électrique. Nous avons Alain Léniac ainsi que sa variante coupée.
qui sont les véhicules 100% électriques au sein de Skoda, nos SUV, et qui ont eu beaucoup de succès au niveau de notre clientèle qui les a accueillis avec grand enthousiasme. Premièrement, de par leur confort de conduite, leur design, mais également le volume du coffre ainsi que l'espace intérieur, toujours fort apprécié chez Skoda, ce qui fait de l'Enyaq un véhicule électrique familial idéal. Mais ce n'est pas tout. Avec l'introduction des versions 85, nous avons maintenant des Enyaq qui sont encore plus performants, plus puissants, avec une charge encore plus rapide et avec une autonomie qui est plus élevée puisque nous sommes à 570 km pour la version coupée de l'Enyaq. Al bijna 10 jaar groeit Skoda in aanzien. Skoda is een slimme keuze met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Is dat het wat de elektrische klanten triggert, Thomas? Ja, absoluut, Katja. Ik denk dat je vooral enerzijds emotionele argumenten hebt, anderzijds rationele argumenten. Maar toch wel een heel belangrijk aspect zijn de corporate editions die we net gelanceerd hebben. Met een zeer uitgebreide standaarduitrusting en met een uiterst attractieve pricing momenteel. De fleetstrategie van 2024 is dan ook vrij duidelijk. Zijn er zoveel mogelijk mensen laten genieten van deze geweldige elektrische wagen en die zo goed mogelijk te integreren in de car policies van onze verschillende klanten. 2024 belooft ook een heel interessant jaar te worden voor ons door de verwelkoming van de Elroq. De Elroq is de iets compactere Enyaq die eraan staat te komen. En ik denk dat onze klanten daar echt wel op staan te wachten. Zeker om die te integreren alweer in deze verschillende car policies. Alors Liana, Thomas l'évoquait à l'instant, l'actualité de Skoda se joue un peu sur tous les fronts, en thermique aussi. Tout à fait Alain, nous allons avoir de nombreuses nouveautés et lancements cette année. Nous allons commencer avec le facelift de la Scala qui sera suivi par le facelift du Kamiq, notre SUV le plus compact au sein de la gamme, avec par la suite l'introduction du facelift de l'iconique Octavia ainsi que deux nouvelles générations, le Kodiaq et la Superb qui auront un design complètement renouvelé, qui seront encore plus spacieux et qui seront disponibles en véhicule thermique, donc avec une motorisation thermique classique, mais également pour la première fois avec une motorisation en hybride rechargeable avec une autonomie électrique allant jusqu'à 100 km pour les deux véhicules. Over die plug-ins gesproken, kan je mij nog net vertellen, Thomas, wat de fiscale voordelen zijn nu begin 2024? Ja, absoluut. Ik denk voor 2024 is het belangrijk te weten dat de plug-in hybrides nog voor 100% fiscaal aftrekbaar zijn tot het einde van het jaar. Maar een ander belangrijk argument is eigenlijk de voordeel alle aard voor de bestuurder, voor de eindgebruiker. Wat denk ik toch een heel belangrijk argument is om nog eventjes mee te geven. Ik denk dat we kunnen concluderen dat de plug-in hybride nog steeds interessant is. Zeker voor degene of de mensen die nog niet volledig bereid zijn om die overstap te maken naar volledig elektrisch rijden. ...2024 ziet er opnieuw mooi uit bij Suzuki, zeker met jullie vaste waarden. Naar de bedrijven toe hebben we natuurlijk onze hybride Brick, de Swayze, en onze SUV, onze Acros, met plug-in hybride technologie. Dus dat blijft nog altijd heel interessant naar de bedrijven toe. En naar de particulieren toe hebben we natuurlijk de Vitara en de S-Cross die onze absolute verkoopstoppers blijven en die blijkbaar nog altijd heel gegeerd zijn. En je hebt nog groot nieuws? Inderdaad, we hebben zelfs twee keer goed nieuws. Het eerste en vooral de nieuwe Swift die komt eraan, de vierde generatie. Een wagentje dat al onbekend staat om zijn rijplezier en zijn lichtvoetigheid. Een heel belangrijke pion ook altijd geweest in het Suzuki-gamma. En daarnaast hebben we het tweede goede nieuws. Dat is eigenlijk dat de garantie verlengd wordt naar 7 jaar. Niet alleen op de nieuwe wagens, maar ook retroactief naar alle klanten die dus vanaf 2019 hun wagen hebben ingeschreven. Dus ik denk dat het toch wel echt wel een mooie beloning is voor de trouw van onze klanten. Noël, hoe kijkt Volkswagen terug op het voorbije jaar? In 2023 hebben we de fundamenten gelegd voor de shift naar e-mobility. Met onze elektrische voertuigen zijn we dan ook aanwezig in de voornaamste segmenten. We hebben de nieuwe ID3, de ID4, ID5, ID-Bus en de recent gelanceerde ID7. En deze ID-modellen maken sinds kort ook deel uit van onze Business Edition-strategie, zodat ook onze elektrische voertuigen steeds genieten van een rijkelijke uitrusting, afgestemd op de noden van de Belgische markt, gekoppeld aan het hoogste klantenvoordeel. Uh-huh. En wat hebben jullie in petto voor 2024? Midden januari kunnen onze klanten de nieuwe T-Cross, de nieuwe Tiguan, als ook de nieuwe Passat in onze showroom ontdekken. En samen met de recent gelanceerde ID7 maken dan maar liefst 4 nieuwigheden bij Volkswagen. En naast die nieuwigheden hebben we ook de terugkeer van de United-serie. Dat is een speciale serie, volledig afgestemd op de noden van de particuliere markt, die zich net positioneert onder onze Business Editions. En ook deze Business Editions hebben we grondig onder andere genomen met een nog rijkelijkere standaarduitrusting, gekoppeld aan een nog hoger
hoger klantenvoordeel, dat oploopt tot maar liefst 77%. Mm-hmm. En jullie hebben een ID3 en een ID4 aan minder dan 40.000 euro. Klopt, ook onze ID-modellen maken deel uit van een grondig herpositioneringsplan. Zo hebben we de catalogusprijs op de ID3, ID4, ID5 en zelfs de ID7 met makkelijk 5.000 euro doen dalen door de uitrusting te herzien. Niet alleen minder relevante uitrusting weg te laten, maar vooral ook tot voor kort dure opties als standaard toe te voegen. Denk maar aan elektrisch kofferklep, matrix, ledkoplampen, verduisterde ruiten die nu standaard deel uitmaken van onze ID Business Editions. En dat maakt, dankzij die herpositionering, dat we een ID3 als ook een ID4 Pure United versie kunnen aanbieden met onder de 40.000 euro van de particuliere klant die zoekt naar de EV-premie in Vlaanderen. En je zit hier niet alleen. 2024 is ook het jaar waarin ik de fleetfakkel mag doorgeven aan mijn collega David van Bellen. David, welkom. Dag Katja. We kennen jou van bij Mobility Solutions van bij Dieteren. Wat zijn jouw tools hier bij Volkswagen? Wel, ook in 2024 heeft Volkswagen stabiele en zeer competitieve fleetkortingen gehanteerd. Nu ook denken wij dat het de behoefte van de gebruiker verandert en dat we niet enkel nog op de wagen gaan kijken. Dus samen met Groep Mobility Solutions, ons professioneel dealernetwerk en Labbox gaan wij ook een one-stop shopping aangaande mobiliteit aanbieden. En wat verwachten jullie van de ID7? Wel, de ID7 heeft zijn verkoop zeker en vast, of zijn start zeker en vast niet gemist. Binnenkort wordt ook nog de brekversie gelanceerd, de ID7 Tourer, als ook een Pro S-versie waar we een autonomie tot 700 kilometer kunnen genieten. Dus ook voor de meest veeleisende mensen aangaande ruimte en autonomie hebben we wat in huis. De wagen wordt ook volledig CO2-neutraal gebouwd. En kortom, eigenlijk voor elk hebben we wat wils. We hebben benzine, diesel, plug-in hybride en elektrisch. Bedankt heren voor jullie tijd. Wij maken tijd voor onze Dream Car van de maand. We hebben het er straks al even over gehad over de nieuwe Aston Martin DB12 Volante. Die hebben we kunnen ontdekken, maar wij gingen zelf persoonlijk de coupé testen. Le circuit de Zolder, là où Fleet TV lâche ses Dream Cars. Chez Aston Martin, on connaissait la DB11. Voici la DB12, une petite révolution. Ok, pas stylistique en tout cas. Et non, on ne change pas une équipe qui gagne. Long capot, aile creusée joliment lacérée et calandre béante, on est bien chez Aston. Avec cette DB12, la révolution est ailleurs et presque invisible, à moins de chercher un peu. Exit le V12, bonjour le V8, biturbo, d'origine AMG. Oui, je sais, au début ça pique un peu. Hein, ça pique, mais ça roule mieux. 680 chevaux, soit 40 de plus que la plus puissante des DB11, mais avec un 4 cylindres et 100 kg de moins. Tout bon pour la répartition des masses et l'équilibre, d'autant que la rigidité est elle aussi en progrès. La GT d'Aston aurait-elle des prétentions sportives ? Les temps changent. Quelque part entre la Bentley Conti GT et la Ferrari Roma, la DB12 réunit le meilleur des deux mondes, efficacité et raffinement extrême. La classe absolue sans les vocalises du V12, mais avec 80% de pièces nouvelles et toujours cette même authenticité, avec un brin d'exubérance et définition en très net progrès. Reste à voir si le reste l'est aussi. Cha, here we go. Je voelt toch wel die sport op hangen. Die wagen die gaat totaal niet hangen. Pure luxe en dan nog eens in klasse ook op het circuit. Met overvloed. Oh.
Ze werken nu samen met Mercedes en je merkt dat echt, dat is echt top. Hè? Wat een beest, jongen. Zo, deze autospecial zit erop. De automobielwereld staat duidelijk niet stil. Dat zien we aan het gigantisch aantal nieuwigheden. Vous retrouverez d'ailleurs un aperçu des nouveautés par marque sur la chaîne YouTube de Fleet TV. En een complete overview van alle EV's op de markt met alle details, die vind je terug op fleet.be. Et pour ne rien manquer de l'actualité en matière de mobilité ou de nouveautés automobiles, eh bien, rejoignez-nous sur vos médias sociaux préférés. Bedankt om te kijken. Tot de volgende. We'll be right back.